Bonsoir mes amis la vapote. Bah écoutez, me revoilà, donc au bout de. Eh oui, ça fait déjà 3 semaines, donc depuis la dernière vidéo que je vous avais fait aux States sur un jus. Alors je n'ai pas refait de vidéo avant parce que là j'ai eu un grand chamboule-tout, donc me revoilà à la maison au Vietnam. Il est 23h25 exactement. Et j'ai eu du mal à avoir du temps libre en fait pour refaire une vidéo. Ça pas été sans mal pour que je puisse être là devant vous aujourd'hui. Le retour States Vietnam 20 heures de zingo avec les escales complètement éprouvant, démoli pendant 2-3 jours, 13 heures de décalage horaire. Enfin bon, je vous passe les détails, notamment là. Comme vous pouvez le voir sur les images, lors d'une escale à Chicago, il y a eu de la neige. Donc 1 heure, donc non, même 1 heure et demie, donc de retard entre les escales. J'ai chopé l'avion in extremis pour aller à Tokyo et puis ensuite voilà, retour au Vietnam. Ma femme étant restée là-bas, étant papa d'une petite fille, je suis seul pour m'occuper d'elle H24. Voilà, je vais arrêter de vous raconter ma vie, mais voilà, ça n'a pas été 100 balles entre le décalage horaire, s'occuper de pomponner la petite. Et là, ça y est, j'ai eu un petit laps de temps pour donc vous faire un petit retour donc sur un jus. Un jus, parce que effectivement, là, depuis que je suis rentré, hein, vous voyez, il y a 2 jus là, les flasques sont déjà vides. On avait le cookie King et dans la gamme, pardon, je suis fatigué ce soir, hein, je préviens, c'est une petite vidéo à l'arrache, mais je voulais au moins la faire quand même, parce que ça faisait comme 3 semaines. Donc je me disais que c'était un mal nécessaire quand même de revenir vers vous ce soir. Hein. Donc dans la gamme Acid Free Pop de chez Pop Vapor, le Big Apple que je vous avais présenté, vous voyez déjà les deux flasques de 100 ml, hop, on peut les remiser à la poubelle. Voilà, ils sont vides. Donc ce soir, il me restait de mémoire un jus à vous présenter, donc toujours de chez Pop Vapor dans la gamme Acid Free Pop. Il me reste à vous présenter le Strawberry Kiwi. Donc voici l'étiquette. Donc comme à l'habitude dans cette gamme, à savoir 70 de glycérine végétale, 30 de propylène glycol. Donc un petit jus rafraîchissant, fraise kiwi. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc je ne l'ai vapé que sur mon amite. Voilà, parce que dès que c'est des petits jus rafraîchissants, comme je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, j'aime bien le vaper en tank. Bon, peut-être que je vous referai un petit tour sur Dripper, il y a peut-être une petite différence, mais pour ce type de jus, j'ai pas vraiment senti d'énormes nuances concernant donc un écart de saveur ou voilà entre le Dripper ou la tour reconstructible. Voilà. Donc, écoutez, sans plus attendre, je vais prendre quelques barres. Alors, je ne vous cacherai pas que je le vape depuis 48 heures. Donc là, au moins, j'ai un meilleur recul pour vous faire part de mon petit ressenti perso, comme l'habitude, sur ce produit. Et puis, écoutez, on y va, c'est parti. Alors pour ce jus, moi c'est vraiment une gamme, les Acid Free Pop là, c'est vraiment une gamme en fruité rafraîchissant, pas vraiment glacé, hein, mais vraiment rafraîchissant. C'est vraiment une gamme que j'affectionne particulièrement, et que ça soit l'Apple, que ça soit celui-ci, le Strawberry Kiwi, où on avait également de mémoire la pastèque fraise. D'ailleurs, entre kiwi fraise, celui-ci et ma pastèque fraise, ou alors mon palais commence à ne plus pouvoir détecter effectivement une nuance des arômes, ou alors c'est la gamme qui veut ça, il n'y a pas une énorme différence. Voilà. Donc.
Alors, léger frais, comme d'habitude dans cette gamme, vraiment un léger frais, hein, voilà. Donc, je sens une fraise légère, le kiwi, vraiment très honnêtement, j'arrive vraiment pas à le détecter. Hein. Si je ne lis pas sur cette flasque qui a un arôme kiwi, enfin même en lisant, hein, pour tout vous dire, même en lisant, le kiwi, j'ai vraiment du mal à le sentir. Hein. La fraise, on la ressent, elle est légère, mais on la sent. On sent qu'il y a un côté sucré. Alors, c'est un liquide qui est quand même sucré. Le kiwi, non, mais ceci dit, le mélange, l'ensemble de ces arômes procure, je trouve, en mon sens, quelque chose de très agréable à vaper. Surtout, pour rappel, pour un prix à 11,99 $, donc 12 $. Ce qui devrait correspondre à 10 euros, 10 euros 50, voilà. Donc pour un 100 ml, franchement, dans ce type de prix, moi franchement, c'est super. C'est rapport qualité-prix, moi voilà, je suis pas déçu. Hein. Ouais. Voilà. Excusez-moi. Oui, donc le kiwi, franchement, je ne vais pas vous raconter de flûte à ce niveau-là, enfin de flûte, bizarre comme expression, enfin, pas vous raconter les flûtes. Le kiwi, je le sens pas. Voilà, donc je sens une légère fraise, le côté rafraîchissant, il y est, un liquide sucré, certainement, mais cet ensemble, vraiment, est une composition vraiment agréable pour le palais, en tout cas en ce qui me concerne. Et je n'hésiterai vraiment pas à recommander des jus de cette gamme parce que franchement, je vais reparler du rapport qualité-prix. Moi, je le trouve très très bien. Voilà. Alors, évidemment, ce retour sur ce liquide, effectivement, je ne sais pas si je vais vous apporter toutes les informations nécessaires pour vraiment vous décrire ce jus. Mais en tout cas, je trouve qu'il est agréable à vaper, surtout ici au Vietnam. Il fait toujours très lourd, encore très chaud là. Il doit encore faire 28-30 dans la baraque. J'ai coupé le ventilo noir que vous voyez derrière au besoin de la vidéo pour pas avoir de bruit parasite qui va venir s'engouffrer dans le micro. Mais voilà, dans un pays chaud comme ici par exemple, bah, c'est super agréable à vaper quoi. Du fruit rafraîchissant, c'est génial quoi. Donc sur mon amite, là je suis en single coil. Ouais, je suis en single. Toujours le même fil. C'est très redondant. Comme dans les vidéos précédentes. Donc je vous le dis tout, à chaque fois. Donc c'est toujours un alien. Un alien en Cantal de chez Demon Killer que je fais moi-même sur un axe de 3. Et là je vais jusqu'à 6 pires. C'est pour ça que j'ai une résistance à. Je sais pas si on va bien le voir. 0. On voit rien, forcément ça ne s'éteindra. À 0,57, il n'y a qu'un coil, mais vu le gabarit, je peux le vaper à 45 watts sans aucune difficulté. Donc voilà. Donc écoutez, voilà en ce qui concerne ce jus. Donc pour information, ma femme étant restée aux States, j'ai trouvé un super site ici. Je regarde. Et là, je pense essayer de recommander par son intermédiaire, elle me le rapportera dans ses bagages, une dizaine de liquides en 100 ml. Mais vraiment à prix cassé. Donc je suis assez surpris, j'espère que c'est pas de l'intox ce site. Parce que vraiment, on a même on a même certaines catégories de liquides à 6,99 les 100 ml. Alors, soit c'est vraiment merdique comme liquide. Alors, tous fabriqués US, donc tous fabriqués US, mais c'est peut-être vraiment des liquides discount pas terribles. À ce prix-là, je me permets de prendre le risque. Voilà. Il y en a comme quelques-uns que j'ai repris, comme dans la gamme de
que je vous dise pas de bêtises, Yami Vapor. Je ne connais que le Taruto que je suis en train de. Enfin, j'ai rempli mon. J'ai rempli un autre tank dedans que je suis en train de siffler, surtout le matin au petit-déj. Donc là, j'en avais pris deux, mais il y a un autre de Yami Vapor que je voulais essayer. Donc voilà. Enfin, j'ai donné instruction pour passer une commande donc, sur ces 10 flaconnages. Mon épouse vient me rejoindre au Vietnam dans un mois et demi. Donc de toute façon, je ne pourrai pas vous faire de retour sur ces jus avant un petit moment. Concernant la suite de mes vidéos, donc pour l'instant, je n'ai plus rien à vous présenter. Pour l'instant, je n'ai plus rien à vous présenter, sauf si je passe par le shop habituel au Vietnam, où j'avais fait d'ailleurs une petite présentation en vidéo. Peut-être que je vais aller rechercher un liquide, et si tel est le cas, je vous ferai un petit retour, voilà, parce que je ne voudrais pas non plus faire une absence trop prolongée et vous refaire une vidéo que dans un mois, voilà. Donc, alors, concernant les vapes excursions, bon, bah, là, ça va être un petit peu compromis parce que j'ai ma petite. Voilà, là, je suis carrément, mais alors carrément, mais rincé de chez rincé. Hein. Voilà, j'ai plus l'habitude de m'occuper de ma petite Edge 24 avec 2 ans et demi. Et là, c'est du taf, quoi. Voilà. Ce qui explique ma fatigue qui se voit sur mon visage ce soir devant vous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère tout de même que ce petit retour vous aura été bénéfique. Vous donnerez envie. Vous de, ah, blablabla. 1, 2, 3. Oui, je suis fatigué. Je me suis dit qu'il faut absolument que je refasse une petite vidéo. Je ne sais pas si c'était exactement le moment opportun pour le faire, mais j'ai quand même voulu le faire parce que je trouvais quand même. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de petit retour. Et que bah voilà, j'ai envie de revenir vers vous pour vous dire qu'en plus tout va bien, tout se passe bien. Si ce n'est qu'une immense fatigue au quotidien, parce que là, ça fait 8 jours de remise en jambe avec ma petite. Et puis bon bah voilà, c'est du boulot. Hein, voilà. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je veux parler. Ok? Donc voilà pour ce petit retour. J'essaie donc de revenir ben, vers vous prochainement pour vous présenter soit un nouveau liquide, soit une vidéo peut-être plus blabla. Voilà. On m'avait déjà demandé peut-être s'il était opportun de faire des lives. Je pense qu'avec le décalage horaire Vietnam-France, qu'on a toujours 6 heures, c'est un peu compliqué. Et de plus, je pense que même si je trouve que j'ai quand même pas mal abonnés, parce que je suis content, depuis mes derniers remerciements à 158 abonnés, je suis à 171 abonnés à ce jour. Donc c'est vraiment pour moi vraiment toujours un énorme plaisir de constater ça. Mais voilà, je pense que voilà, je pense que si je passe la barre des 200 abonnés, même avec le décalage horaire, j'essaierai de me caler pour bah pourquoi pas lancer mon premier live. Voilà, mais il faut que j'apprenne à le faire avec le logiciel qui va bien. Et voilà. Mais écoutez, mes amis, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. Je pense peut-être ajouter en fin de cette petite vidéo, je vais voir bah peut-être le film de mon retour, de ce que j'ai pu filmer, surtout quand j'étais à Chicago, où il y avait de la neige, c'était un vrai merdier, il y avait des camions sur les pistes d'atterrissage pour déblayer la neige, enfin un vrai merdier, voilà. Mes amis, à très bientôt, et puis bah écoutez, moi je vous souhaite une excellente vape. Allez, ciao! With a funny, sad story to me. Yeah, I'm a bitch used up myself. My blue book value's low. I hear whispers like a shadow. I drag in my undertow. I got skeletons in my closet. The time ain't forgot. See, I got what I needed, so now I got what I got. We've been Cassie, Savita, and north of.
dancing somewhere south of the truth. Wandering the desert, but I swear to you, this is the last first time I'll ever have to say the last first line I'll ever throw away, the last first night you'll ever have to stay, the last first time. I see your cactus has needles and your roses have thorns, and the angels on your shoulders are looking pretty worn. I can tell by their wings and the pop songs they sing that they're tired and frightened about everything. So your heart's been broken too many times, playing second fiddle in some sadistic nursery rhymes. Well, the past ain't punishment, no, it's wisdom earned. So come here, baby, and show me what you've learned. We've been castles to be there, north of our youth, west of the Hudson, somewhere south of the truth. Wandering in the desert, but I swear to you, this is the last first time I'll ever have to say the last first line I'll ever throw away, the last first night you'll ever have to stay, the last first time. Last first time I